la chaîne du Palais des Saveurs. Aujourd'hui, dans la série des crumb cakes, je vous propose une version salée avec un clafoutis aux tomates cerises et son crumble. Dans un saladier, je fouette mes œufs avec la crème fraîche ainsi que le lait. Je râpe le parmesan. Je mélange le tout. Je rectifie l'assaisonnement en sel et en poivre, mais attention à très peu salé car le parmesan est un fromage assez salé. Puis je prends mes feuilles de basilic. Et je les cisèle dans mon appareil. Je chemise un plat gâteau, un carré de préférence, avec du papier sulfurisé. Je répartis par-dessus mes tomates cerises et je verse mon appareil. J'enfourne ce clafoutis pendant 20 minutes à 180 degrés. Pendant ce temps, je passe à la réalisation de mon crumble. Dans un saladier, je réunis la farine, le parmesan râpé et le beurre froid. Et du bout des doigts, je mélange jusqu'à l'obtention d'une texture sableuse. Voilà, au bout des premières 20 minutes, je répartis mon crumble sur la surface de mon clafoutis et j'enfourne de nouveau pour 20 minutes jusqu'à ce que ce crumble soit bien doré. Toujours à 180 degrés. Voilà un clafoutis qui se mange de préférence tiède en entrée. Il ne reste plus qu'à passer à table. Je vous souhaite un bon appétit. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne du Palais des Saveurs. Et surtout, n'oubliez pas de vous y abonner. Au revoir.